Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 22, le réseau Goad Blackpool. William Goad, le pédophile aux 3500 victimes, était dans un réseau. On croyait que Jimmy Savile, avec ses 650 victimes estimées, un minima, avait le record du pire pédophile. Mais non. Un dénommé William God aurait quant à lui fait 3500 victimes en 35 ans de carrière. Il est mort, mais pas le réseau pédophile auquel il faisait partie et qui n'a jamais été inquiété. Vous pouvez voir sur Jimmy Saville un autre podcast dédié à cette affaire. En 2004, les médias britanniques évoquaient la condamnation de William God, ce multimillionnaire aux 3500 victimes, tous des garçons dont certains n'avaient que 8 ans. God était à la tête d'une chaîne de magasins qui lui a rapporté 25 millions de livres sterling. Deux de ses victimes, au moins, se sont suicidées. Il traitait ses victimes de petits junkies. Mais il faut dire que cette technique a marché durant des dizaines d'années, l'homme étant, bien sûr, entre guillemets, au-dessus de tout soupçon. Ça a marché parce que, bien qu'il se soit retrouvé trois fois devant le tribunal dans les années 70-80 pour avoir agressé des mineurs, il a même été condamné. Mais cela n'a pas perturbé ce pervers. Finalement, c'est grâce à Gaud que les peines pour les crimes contre les mineurs ne sont plus prescrites, parce que le public a été écœuré de constater que les victimes de Gaud n'avaient que 6 ans après leur majorité, jusqu'à leurs 24 ans, pour porter plainte. Toutes les autres ne pouvaient même pas espérer avoir justice. Et c'est le gouvernement qui les a indemnisées, c'est-à-dire le contribuable. Gaude, un pédophile prédateur, est réputé violent. A quand même pris une condamnation à vie à l'âge de 60 ans, mais avec possibilité de libération au bout de 6 ans. Il vient de mourir en tôle, et on veut seulement maintenant enquêter sur ses copains du réseau. Il est aberrant d'avoir attendu sa mort pour se poser des questions sur ce réseau. Pourtant, lors du procès déjà, les victimes avaient cité d'autres pervers liés à God, Mais bizarrement, à l'époque, les enquêteurs ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour creuser davantage si bien qu'un groupe des survivants de ce pervers, appelé Phoenix Survivors, a réclamé qu'on enquête sur ces accusations. De son côté, le juge a félicité les flics pour leur travail. Cherchez l'erreur. Gaud a déclaré que rien qu'en 1965, l'année où il aurait démarré ses activités pédocriminelles, il a violé pas moins de 142 garçons. La représentante de Phoenix Survivors, Shai Kinan, a déclaré, je cite, je n'accepte pas que les informations sur les complices soient si vagues et je voudrais dire de manière catégorique que les noms des autres hommes impliqués ont été donnés. Je ne pense pas que les polices du Devon et de Cornouailles ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans ce cas particulier. Ils auraient pu faire beaucoup plus. Fin de citation. Sans blague. Les flics auraient-ils cherché à étouffer l'affaire Depuis l'arrestation de Gode en 2004, certaines de ses victimes demandent la réouverture de l'affaire, en vain. Les survivants auraient aimé savoir, par exemple, ce qu'il était advenu des 25 millions de livres sterling de Gaude, qui avait développé ses activités en Amérique et en Thaïlande. L'une des victimes de Gaude a déclaré avoir été forcée par Gaude d'enlever un garçon de 9 ou 10 ans quand il était adolescent. Une fois dans le van, Gaude est arrivé pour le violer. Quand il a refusé d'enlever un deuxième garçon, Gaude l'a violemment battu. D'autres garçons venaient avec lui dans les voyages à travers l'Angleterre et devaient ramener gaude à des gaude des gamins trouvés dans les rues. Pourtant, avec tout son fric, il en imposait. Je cite Je l'idolâtrais, à une des victimes. Comme tout le monde le faisait. Il avait l'habitude de nous emmener dans des grands restaurants il nous achetait à manger, des vêtements. Si on voulait quelque chose d'autre, il n'y avait qu'à lui demander et on l'avait. Chez Gode, il y avait des conseils de jeu. De l'argent, un billard, et la maison était près d'une école. Mais les gamins étaient violés un peu partout, y compris dans des hôtels. God les menaçait, histoire qu'ils se taisent, et refilait ses victimes à ses copains pédophiles. Ou il leur disait que tout le monde les traiterait de tapettes s'ils parlaient. Ces victimes venaient de milieux défavorisés, voire étaient carrément placées dans des foyers où personne n'a rien vu, rien entendu. Dès les années 80, des plaintes contre Gaude ont commencé à arriver chez les flics. D'où les premières condamnations de God. Un autre a porté plainte en 97, mais là les flics n'ont pas bougé. Je cite. « Après avoir témoigné pendant trois jours et fait une déposition de 13 ou 14 pages, il dit comme ça. Rien de plus. » Fin de citation. En 98, une autre de ses victimes fait une overdose, quelques semaines après avoir témoigné chez les flics. Au total, seulement 17 de ses victimes ont témoigné lors du procès. Ça donne une idée de l'ampleur des poursuites contre les pédophiles. On n'arrive même pas à 0,5% des victimes de God à peine. Et on peut soupçonner que cette proportion est la même pour tous les pédophiles. Et combien ont reproduit les mêmes actes Pour un pédophile comme God, combien de victimes en l'espace de deux générations et de trois Et combien sont tombées dans la délinquance Quel est le coût pour la société d'un pourri comme God et d'un réseau God avait développé ses activités pour se rapprocher des garçons. Par exemple, il avait créé le Mount Gould Camping Club où il amenait des enfants. Il possédait aussi le Cornish Market World qui est un des plus grands parcs de jeux à l'intérieur de la Cornouaille. Le réseau. En 2006, un dénommé Peter Northworthy de Plymouth, comme Gould, a pris 15 enfermes pour avoir violé des garçons de moins de 16 ans entre 1992 et 2001. Il a aussi été condamné pour avoir tenté d'intimider une de ses victimes. Il s'est avéré que Northworthy était un membre du réseau pédophile de Gode. Mais lui aussi a été jugé tout seul. Cela s'appelle saucissonner les dossiers. Et c'est une technique d'étouffement classique, vue à outreau dans l'affaire du trou et ailleurs. Le dit pédophile visait lui aussi des garçons vulnérables qu'il altérait chez lui avec de la drogue ou un peu d'argent avant de les violer et de les partager avec Gaude. Beaucoup de leurs victimes sont devenues alcooliques, drogués, suicidaires. Lors du procès, des victimes ont identifié plusieurs complices. Ainsi, un certain Ray, une des victimes qui a témoigné contre God, a expliqué, je cite J'ai parlé à la police de Bob et j'ai donné des indications sur où il vit, où il travaille, quelle voiture il utilisait. Fin de citation. Mais Bob n'a jamais été coincé. Les flics ont dit à Ray qu'ils n'avaient pas les moyens de le coincer. Une fois, Ray a été forcé à boire et violé par cinq types parmi les complices de God. Au moins un a bougé en France, mais on n'a pas cherché à le retrouver. A l'époque, il tenait un bar en Bretagne et la licence était à son nom. Et il revenait plusieurs fois par an en Angleterre sans jamais se faire attraper. Il se serait suicidé en France à Loudéac en 2005 en laissant un mot Ha Ken Gorvin, l'associé de Gaude pendant 30 ans, lui a permis de voyager en Espagne en 1999 et c'est là que Gaude lui a transféré ses parts de leur business. Parce qu'il savait qu'il allait se faire coincer. L'année précédente, God s'est fait faire un faux passeport avec lequel il a voyagé en Thaïlande. C'est seulement à son retour en Angleterre, en juin 2003, qu'il a été arrêté dans un hôtel où il résidait sous le nom de Ken Garwin. En fait, dès que l'enquête a vraiment démarré vers 98, God a pris ses précautions et a utilisé un faux nom, David Scott, et a déménagé dans le Devon, puis à Pattaya en Thaïlande, le paradis des pédos, en 99 grâce à son faux passeport. Bizarrement, on a aussi oublié d'enquêter sur les activités de ce pervers en Thaïlande. D'après les victimes, certains des pédophiles du réseau étaient bien plus vieux que Gode. Déjà dans les années 50 et 60, des gamins montaient dans les voitures de vieux pervers. Aujourd'hui, après la mort de Gode, les flics ont admis que depuis son emprisonnement, des centaines de victimes les ont contactés et qu'ils n'ont jamais pensé à les entendre sérieusement et encore moins à enquêter. Et là, on apprend que dès 1996, des accusations selon lesquelles God était membre d'un réseau pédophile impliquant des hommes puissants dans la société ont été faites. Une enquêtrice qui a travaillé sur l'affaire, Shirley Thompson, avait tenté d'alerter ses supérieurs quant à l'impunité des complices de God, mais rien à faire. L'une des victimes, un certain Paul Wyatt, a cité lors d'une audition filmée en 2005 cinq complices de God, mais on n'a on a enquêté que sur Eddie Pratt mort opportunément avant d'avoir répondu au flic. En 2006, deux femmes ont dit avoir été victimes d'un réseau pédophile quand elles étaient enfants. Elles ont cité Austin Griffiths, qui a pris 11 ans à Plymouth pour des faits de pédophilie en décembre 2004. Les deux femmes ont déclaré que Griffiths, qui était chauffeur routier, tout en travaillant pour God, faisait partie d'un réseau pédophile dont étaient également membres les pervers Arthur Birch, un travailleur social entre guillemets, de 82 ans, mais aussi William God. Et devinez quoi? Je cite Malgré le fait qu'elles aient contacté les polices du Devon et de Cornouailles au sujet du réseau pédophile, ces femmes expliquent que les enquêteurs ont ignoré leur dire, écrit un journal à l'époque. Comme c'est étrange. Car Griffiths et God faisaient du business ensemble. Griffiths et Birch prenaient souvent un verre ensemble. Griffiths s'est aussi associé avec Eddie Pratt, lui même lié à God. Mais pour les flics, rien de concret là-dedans. Et cela, selon les deux femmes, ce n'est qu'une petite partie de la clique. Je cite Aucune de nous deux ne peut se remémorer des choses précises de son enfance, et nous pensons que nous avons pu être drogués, disait elle. Et cela, c'est typique des réseaux. Shirley Thompson, elle, pointe du doigt tous ces éléments qui n'ont jamais été investigués, comme ces allégations selon lesquelles God emmenait des jeunes dans des virées aux États-Unis. Il y a aussi cette école spécialisée Ford Park, dans Laquelle God aurait lui-même été violé enfant. Pourtant, quatre anciens membres du personnel de cette école ont été condamnés pour des actes pédophiles. Et quid de ces week-ends dans diverses villes, passés par God et ses copains avec des mineurs Paul Wyatt, qui est à la base de cette enquête, explique qu'il craint pour sa vie. De fait, il dit avoir déjà échappé à quatre tentatives de meurtre depuis qu'il a déposé plainte contre God pour la première fois en 87. Là, il a appris que God avait envoyé des garçons qui travaillaient pour lui afin de lui régler son compte au couteau. Je cite « Ces garçons étaient d'autres victimes de God, mais ils étaient si effrayés par lui qu'ils faisaient ce qu'il leur demandait dit », dit-il. Fin de citation. Ironie totale, le juge qui a refusé d'investiguer sur les collègues pédos de God affirme aujourd'hui qu'il « craint que God n'ait pas agi seul ». Mmh. On notera aussi que God est mort en tôle Pile le moment où le scandale de sa ville a explosé. Mais ce n'est certainement qu'un hasard. En, 15, en juin 1996, un travailleur social, qui est mort en 2009 dans un accident d'avion, était présent à une réunion sur God dont le compte rendu était, je cite, strictement confidentiel et devait être enfermé dans un endroit sûr, loin des gens. Fin de citation. Pourquoi autant de précautions? Dans ce compte-rendu, on peut lire que, je cite, les week-ends se passaient ailleurs, dans de grandes villes comme Londres ou Manchester, où les enfants étaient partagés avec d'autres hommes. Les garçons étaient menacés afin qu'ils restent calmes et ils étaient payés. Il apparaît que des hommes importants dans la société ont ou ont eu des relations avec ce réseau. Et le rapport conclut que, compte tenu de la nature de ce réseau et de l'importance de certains de ses membres, la confidentialité est vitale. Fin de citation. Vitale pour qui Certainement pas pour les victimes, ni pour les citoyens qui devait encore être protégée. 2. Des gangs de pédophiles impunis au Royaume-Uni Le 1er novembre 2003, Charlene Downs, 14 ans, disparaît à Blackpool, une ville côtière à 50 km de Manchester, douzième ville la plus pauvre du pays. Depuis quelques mois, l'adolescente avait de mauvaises fréquentations. Elle avait même été virée de son école. On a appris qu'elle faisait partie d'une soixantaine de gamines dont certaines n'avaient que 11 ans, exploité sexuellement par un réseau qu'il faut bien qualifier de pédophile. Ce 1er novembre, Charlène dit qu'elle va rejoindre ses amis sur le quai de Blackpool, puis elle disparaît. La dernière fois qu'on la voit, elle est seule dans le centre-ville, parlant dans une rue pleine de fast-food. La police comprend vite que Charlène se trouvait prise dans un réseau de prostitution de mineurs. Apparemment, plusieurs dizaines de gamines du coin auraient eu à cette époque l'idée géniale de se prostituer contre des hamburgers, des cigarettes, un peu d'affection. C'est du moins la version de la police. Durant des années, les forces de l'ordre ont enquêté au sujet d'une disparition et non d'un meurtre. Jusqu'à ce que certains éléments au sujet de la disparition ne deviennent publics. Ce qui faisait un peu tâche. Quand on a finalement considéré qu'il s'agissait d'un meurtre, plusieurs arrestations ont eu lieu et en 2007, deux types qui tenaient un fast-food ont été envoyés en procès. Car très vite, les enquêteurs ont compris que le meurtre était très certainement lié à un réseau de prostitution. Je cite. Il y a toujours eu des niveaux choquants d'abus sexuels sur les mineurs dans cette ville. Mais avant la disparition de Charlène, on mettait tout ça sous le tapis, avait déclaré un travailleur social à l'époque. De L'un des types, un certain Iyad Albatik, était jordanien et a été accusé du meurtre. L'autre, prénommé Mohamed, a été accusé d'avoir fait disparaître le corps en le transformant en kebab. Les deux ont nié avoir jamais connu Charlène Downs. On notera que cette version est bien pratique, au cas où Charlene Downs a été massacrée d'une manière un peu satanique, pas de corps, pas de preuves. Mais j'ai sûrement l'esprit mal tourné. En tout cas, les preuves étaient limites, puisque le jury n'est pas parvenu à rendre le verdict lors du premier procès, malgré 49 heures de délibération. Et que lors du deuxième procès, c'est l'accusation qui a fini par laisser tomber les charges. Comme on est revenu au point de départ, la police a rouvert le dossier et lancé un nouvel appel à témoins en novembre 2013. Une autre disparition. En même temps, on a repris le dossier de la disparition d'une autre gamine de Blackpool, Paige Chevers. Elle a disparu à 15 ans après une dispute avec ses parents. Elle aussi venait d'une de ses familles déphasées avec un père violent. La police a vite appris que, quatre bancs après Charles Downs, Paige Chevers évoluait exactement dans le même réseau juste avant sa disparition. Elle fréquentait en effet le même kebab. Là encore, les flics ont considéré qu'il s'agissait juste d'une personne disparue pendant plus d'un an. Comme pour Charlene, on n'a jamais retrouvé son corps. D'après les autorités, une soixantaine de gamines se trouvaient dans l'orbite de ce réseau, apparemment bien installé à Blackpool. Un suspect a été arrêté en 2009 car, nous a-t-on dit, on pensait qu'il avait assassiné Paige Cheavers. Mais il est probable que cette arrestation n'avait pour seul but que de montrer que la police était toujours en train de travailler sur ce dossier. Il faut dire que Blackpool est une charmante bourgade. 800 délinquants sexuels y vivaient à l'époque, c'est plus que partout ailleurs dans le pays. C'est à tel point qu'on pouvait se demander pourquoi la ville attirait tellement ces pervers. Bon, officiellement, et d'ailleurs c'est toujours le cas, les organisateurs de ces réseaux de prostitution de mineurs sont des étrangers. Alors que les victimes sont presque toutes blanches. Ce qui excite beaucoup l'extrême droite. Et on évite de se poser trop de questions sur les clients, évidemment. La presse n'en parle pas. Et ils ne sont pas présents lors des procès, ne serait-ce qu'en tant que témoins. Parce que là, c'est tout de suite plus varié, comme l'ont montré certaines affaires récentes. Mais à chaque fois, les clients s'en sont tous tirés bien qu'ils aient payé des mineurs pour des rapports sexuels. À Blackpool, la prostitution est endémique, et la ville est bien connue pour ça. Y compris, semble-t-il, pour ces gamines qui se vendent contre quelques livres, ou pour des clopes à l'arrière des fast-foods. Aujourd'hui, la ville est très réputée pour sa culture de la boisson et les journaux ont souvent parlé de ces jeunes ivres-morts chaque week-end dans les rues de la ville. Depuis que ces affaires ont fait les unes des journaux, les histoires de pédophiles n'ont pas manqué dans le coin. Il y a quelques mois, la police de Blackpool a dit que plus d'une centaine d'enfants avaient été identifiés comme étant à risque par rapport à la présence de pédophiles. En février 2013, un pédophile de Blackpool, pourtant décédé en 2010, un certain Raymond Hewlett, avait fait parler de lui car il avait donné des tuyaux aux autorités concernant l'affaire Maddy McCann. Comme de nombreux pédophiles anglais, en réseau ou pas, Hewlett a vécu un certain temps au Portugal, pas très loin de Praia de Luz, où a disparu Maddy en 2007. Avant de mourir, Hewlett aurait dit à son fils qu'il savait qui avait enlevé la gamine. Apparemment, suite à ces révélations, l'enquête a été orientée vers l'Ukraine et la Russie. En janvier 2013, un dénommé Kenneth Trotter, vieux pédophile sadique, a été extradé d'Australie après avoir été condamné pour pédophilie. Après avoir passé quelques mois à Londres, devenu où Trotter a choisi de s'installer Bah, à Blackpool, bien sûr. Il a été hébergé dans une institution, puis a disparu de la circulation. Quand on l'a retrouvé, il avait rejoint un groupe paroissial et s'occupait des jeunes. Pourquoi a-t-il choisi Blackpool Je cite En raison de la forte concentration de jeunes vulnérables, nous dit le Daily Mail. Fin de citation. On a déjà parlé ici de William God, le pédophile le plus prolifique d'Angleterre avec 3500 victimes qu'il a décomptées lui-même. God est mort depuis un moment, mais ses complices courent toujours. De nombreuses pistes données par ses nombreuses victimes n'ont pas été explorées par les enquêteurs, notamment des lieux à Blackpool où les viols d'enfants avaient eu lieu. God a aussi emmené des victimes aux USA, mais il n'était apparemment pas urgent de mener des recherches à ce sujet. Dans les réseaux de God, un réseau donc largement impuni, les flics ont dit qu'il y avait des types très bien placés. Ce qui explique probablement l'omerta au sujet des connexions de God. On constate, hélas, chez nos voisins anglais une multiplication de ces gangs d'étrangers qui prostituent des gamines. L'affaire Downs remonte à dix ans déjà, et il semble que rien n'a été fait pour endiguer le phénomène, à Blackpool et dans le reste du pays. Quant aux clients, il y a certainement un tas de paumés qui en paient que quelques dollars la passent, mais pas seulement. En tout cas, l'impunité règne, même si quelques sous-fifres, tous étrangers sont envoyés en prison.